Bonjour à tous, Litinois. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant le perchoir. Alors, c'est la troisième que je fais sur le café. La première était comment faire pour le débloquer. La deuxième était sur les amiibos, les anciens personnages en fait que tu pouvais faire venir grâce aux cartes amiibo au café. Et maintenant, je vais te parler des objets exclusifs du perchoir et je vais t'expliquer comment tu peux les récupérer. Donc il y en a pas mal d'objets exclusifs. Pour les récupérer, c'est simple. Il suffit d'aller un certain nombre de jours au perchoir prendre au moins un café pour pouvoir les débloquer. Alors comment on les débloque? C'est très simple. Tu es en train de le voir en fait là en vidéo. Lorsque tu sors du café, Robusto t'accoste en te disant qu'il a mis quelque chose dans ta poche, tout simplement. Voilà, c'est assez simple. Donc je vais t'expliquer maintenant combien de jours il faut pour avoir quel item. Donc au bout du troisième jour, tu vas débloquer le café à emporter pour 300 clochettes. Au bout de 6 jours, tu vas débloquer la recette du biscuit du perchoir. Au 11e jour, tu vas avoir le sachet de café, comme on peut le voir derrière en arrière-plan dans l'étagère. Au 16e jour, tu vas avoir la tasse sur une assiette. Donc c'est la même que celle qui est utilisée là pour te servir le café. Ensuite, le 21e jour, tu vas avoir un arbre, le caféier. Le 31e jour, tu vas avoir la cafetière à siphon, donc c'est celle qui vient d'utiliser pour me servir mon café. Au 41e jour, tu vas avoir la machine à café pro, donc c'est la machine qu'on voit en arrière-plan, derrière qui est rouge. Et enfin, au 51e jour, tu vas avoir le cadeau le plus sympa, un robustoïde, qui est en fait un gyroïde en forme de Robusto. Je ne sais pas encore quel bruit il fait, mais je trouve ça vraiment assez rigolo, assez sympa. Donc voilà, je viens de t'expliquer comment faire pour débloquer tous ces items qui sont donc au nombre de 7 plus une recette. Moi, j'en suis actuellement à la tasse sur une assiette, donc il m'en reste encore 4 à débloquer. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Si tu as des questions, tu commentes et abonne-toi à ma chaîne, ça me fera super plaisir et comme ça tu seras au courant de mes prochaines vidéos sur Animal Crossing et sa mise à jour 2.0. Je te dis à bientôt. Bye.